C'est vous, infirmière ? Bonjour à tous et à toutes, ici c'est Barcilou, donc qui revient pour un nouvel épisode de BioShock, le 2 s'il vous plaît. Donc j'ai retrouvé mes armes pour ceux qui n'auraient pas suivi l'épisode précédent. J'avais perdu les armes que j'avais acquises tout au long du jeu. Je pensais que c'était un bug du jeu carrément, mais non. Non. Donc j'ai pris un fortifiant de foreuse qui m'a enlevé les armes. Donc bon, c'était amusant de continuer à faire souffrir les chrosomes avec la foreuse, mais bon. Les armes, c'est peut-être un peu plus, comment dire, un peu plus amusant. Allez, c'est parti. Que j'aurais voulu m'excuser pour la mauvaise qualité de la vidéo précédente. Non pas de la vidéo, mais de la totale désynchronisation du son et de la vidéo. Donc je n'y pouvais rien. J'ai essayé de faire le mieux en post-production, mais j'ai pas totalement rectifié. Voilà, toi, c'est fait. Tu ne m'embêteras plus. Qu'est-ce que je disais moi au fait? Oui, il y a eu un petit décalage entre le son et la vidéo. Je ne devrais pas m'étonner avec ce jeu hein, qui me complique la vie, vous ne pouvez pas savoir. Pourtant j'étais mis au parfum avec BioShock 1er. Hein. Mais bon, j'ai voulu faire l'aventure du BioShock 2, mais bon. Allez, c'est parti, on va se concentrer sur ce qu'on a à faire. Donc, j'ai déjà désactivé une alarme. C'est vrai que je ne me sers pas beaucoup
des pouvoirs qui sont à ma disposition. Je n'utilise que l'arc électrique, c'est tout. Et je vais peut-être changer d'arme. La pétoire. Ah oui, la pétoire. Qu'est-ce qui se passe? Où êtes-vous? Vous n'aurez le sang pour quoi fuir. Putain. Cartouche blindée. Ah oui, 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 ça c'est... Donc, j'ai déjà été ici, j'ai déjà fouillé le premier étage. Donc, où je vais maintenant? Oui... Ce nouvelle technologie plasmidique développée ici à Fontaine Futuristix, tout devient possible. Nous avons fait nôtre la puissance des dieux. Toutes nos procédures sont rapides, indolores et totalement sans danger. C'est incroyable, docteur. Jamais je ne m'étais senti aussi bien. Merci pour tout. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Investissez dans la technologie plasmidique dès maintenant. Je n'y ai pas été là ici. Salle de démonstration des plasmides de Frank Fontaine. Tiens donc, c'est quoi ça? Merde!
C'est gratuit. C'est un véritable hôpital psychiatrique, je crois, là. Je suis tombé, là. Dans le bras, transforme le plus irrécupérable des gratte-papiers en employé modèle. D'ailleurs, vous êtes bien placé pour le savoir. Regardez, cela ne vous rappelle rien? Welcome. Welcome back, Delta. Où est passé votre esprit d'initiative, Delta? Par le passé, vos bouffonneries ne manquaient jamais d'amuser la galerie. Ce public manque de joie de vivre, c'est indéniable. Mais tâchez tout de même de l'enthousiasmer un peu. Ce soir, le scepticisme n'a pas sa place, pas plus que l'incrédulité. Fontaine Futuristix vous présente notre série révolutionnaire de plasmides de sécurité privée. Y a-t-il un volontaire dans la salle? Allons, allons, ne soyez pas timide. Monsieur, peut-être? Non, je sens que monsieur est trop petit. Vous, madame, dans le fond, approchez. On l'applaudit, mesdames et messieurs. Vous n'êtes pas digne de le regarder. Pas d'autres volontaires? Voyons, messieurs, laisserez-vous seul en scène cette pauvre femme anxieuse? S'il vous plaît, un seul à la fois. Cette histoire. Qu'est-ce que c'est encore qui me réserve? L'autre démonstrateur, et il semble fermement décidé à reprendre le devant de la scène. Que va bien pouvoir faire Delta, mes amis? Ah.
t'agitais presque, j'y étais presque. J'ai besoin de vie, moi, parce que là, je tiendrai pas. Il ne laisse derrière lui que des esclaves enchaînés. À ses pères, il demande : à quoi me servez-vous donc ? Qui l'aime finit assujetti, car le tyran ne connaît que la révérence ou la peur. Voilà que je suis parti. Donc j'aimerais bien finir ce que j'ai commencé là. Je ne sais plus où il se trouve, la salle. C'est pas possible. Où est-ce que j'ai... Smith Showroom, ça doit être là. Je vais désactiver ça. Ah, enfin ma boussole, sans elle j'étais perdu.
dire que j'étais perdu. Scaphandre, je ne peux pas distinguer ceux qui arrivent de droite, de gauche. Bon, ça me reprend. Ah, là, je vérifie pas ma jauge de santé. Oh là là. Dire que je n'échappe pas j'arrive pas à éviter leur balle, que ce soit leur balle, leur cocktail molotov, je les prends un peu une poire à chaque fois. C'est pas possible, je tire à côté. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il a encore ce jeu? Il me fait passer les... Il me les brise, je sens qu'il me les brise. Oh putain! T'arrêtes pas de bouger! Parle d'un conseil d'administration, toi. Qu'est-ce qui se passe encore? Quiconque est impliqué dans le commerce de plasmides a tôt ou tard besoin de cobayes.
des cobayes humains. C'est lamentable, c'est vrai, mais personne à Rapture ne souhaite connaître le prix de ces merveilleux plasmides. À l'époque, malgré une économie à l'agonie, les volontaires étaient rarissimes. Et puis, quelqu'un du nom de Sinclair nous a contactés, se vantant de pouvoir nous fournir autant de cobayes que nous le souhaitions. C'était une sorte de location de matériel, livré, ligoté et sous tenaçue ventilation à présent. Vous pouvez dire à Adieu à vos indemnités de licenciement et à vos avantages sociaux. Agnus Dei. Accès autorisé. Bienvenue, Gilbert Alexandre. C'est encore moi. J'espère qu'à présent, vous devez être décidé à m'aider à en finir avec la vie. En échange de ce service rendu, j'ai mobilisé pour vous une escorte qualifiée. Ah, bien, il y a un interrupteur par là qui devrait vous permettre d'accéder au véritable laboratoire. C'est là que je vous attends. Tout du moins, à ce qu'il reste de moi. Venez, par pitié. Chargeur amélioré pour lance-grenade. Qu'est-ce que je vais pouvoir améliorer comme réduction de recul pour mitrailleuse, cotère pour pistolet arrivé. C'est quoi ce cotère? Ah oui, oui, oui. Je vais faire un malheur avec cette mitrailleuse. Oh putain, ça m'agace! Lâche l'observation.
Putain, mais c'est pas vrai, je ne vois rien. Je ne vois rien. C'est pas vrai, mais ils vont pas me lâcher ceux-là. Tout en pleine poire. Heureusement que j'ai des aides extérieures. Comme le restaurer ma santé maximum ou quoi d'autre déjà. On va voir 600 $ max à chaque fois que je vais me restaurer dans une borne. Ok, maman, j'en étais où là? Oui. Qu'est-ce que c'est, mais merde, on peut pas. On va faire du shopping tranquille. Hein.
J'ai travaillé un temps avec les propriétaires de cet oxy-service. Si je me souviens bien, la station n'est qu'une façade qui dissimule un passage secret menant plus bas. Si l'homme planque Eleanor quelque part, c'est probablement là-bas. Lumière, s'il vous plaît. N'y voyez pas, Malice, mais ces lumières mettent mes yeux au supplice. Elles resteront éteintes jusqu'à ce que vous en ayez fini avec moi. Faites sauter les disjoncteurs, puis revenez ici rétablir le courant. Bon, je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On va pas tenter le diable tout le temps. Donc on va aller, on va digérer tout ce qu'on a eu. Et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et salut.